Étape continent, mais 1, 2 ou 3, après c'est compliqué de le faire rater un shoot. Quoi. C'est-à-dire qu'il est capable d'enfiler 15-20 paniers à 3 points d'affilée, même peut-être plus. A three-time three-point champion for the All-Star game, so the sniper is the right word. Bon, c'est toujours sympa d'avoir laissé une trace dans l'histoire du All-Star Game. Après, voilà, je ne travaillais pas tous les jours pour ce concours-là. Je travaille pour être performant en match, c'est le plus important. Mais c'est sûr que c'est un petit clin d'œil sympa qui fera plaisir, surtout lorsque j'aurai fini ma carrière. J'ai commencé tout jeune. Oui, j'ai connu toujours une assez bonne adresse. Après, voilà, c'est beaucoup de travail, de perfectionnement. Mais c'est vrai qu'à la base, je pense que j'avais cette qualité-là d'adresse. J'ai tout de suite vu que c'était ça mon point fort, donc j'ai beaucoup bossé les étés, à l'entraînement tous les jours. Après l'entraînement, je reste faire quelques shoots, souvent avec Marc Judith. Donc voilà, quotidiennement, on peut dire entre 75 tirs minimum, ça peut monter jusqu'à une centaine. Après, ça peut varier en fonction des jours. Mais voilà, j'essaie toujours de rester pour répéter mes gammes, la gestuelle, les appuis. Pour garder, rester en rythme. Il y a des soirs où tu commences à mettre 1, 2, 3 paniers et voilà, tu te dis que tu ne peux plus louper. Donc voilà, c'est des sensations vraiment, vraiment agréables, exceptionnelles en tant que joueur, shooter en plus. Donc voilà, on sent qu'on a l'impression que dans n'importe quelle position, contre n'importe quel défenseur, on peut trouver le panier. Pour le tir à 100 000 euros, ouais, c'est une grosse performance. En plus, il a tiré sans élan, c'est rentré que ficelle. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez énorme. C'est un tir qui est pas facile, même avec beaucoup d'entraînement, c'est toujours un tir compliqué. Donc voilà, nous on fait ça pour rigoler. Et puis il peut arriver aussi en match, en fin de carton ou de possession, quand il ne reste pas beaucoup de temps, d'être obligé de tirer du milieu. Donc, pas des paniers qu'on a l'habitude de mettre, mais c'est toujours spectaculaire.